Bonjour, donc un petit tour en téléchargement que j'aime bien faire et que je fais depuis des années. Alors, le but du jeu avant de faire quoi que ce soit, on va mélanger les cartes. Voilà. Hop. Je vais également couper mes cartes. Et pour ça, j'ai besoin de 4 races. Pour ça, tiens, je vais couper ici. Et peut-être que on peut retrouver 4 races. Ça, c'est la première des choses. J'aurais pu les prendre comme ça, mais c'est beaucoup plus joli. J'avais envie de me faire plaisir. Une fois qu'on a les 4 races, on peut se permettre de retrouver. Alors, c'est plus une démonstration qu'un tour de magie. Mais on peut se permettre, en expliquant aux gens qu'on est magicien, de retrouver n'importe quelle carte à n'importe quel endroit dans le jeu, car on manipule tellement les cartes tous les jours qu'on a une sensibilité et un toucher extraordinaire. Et je vais vous le prouver en prenant les 4 as et en les perdant comme ceci dans le jeu. N'importe où. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Tout ça perdu n'importe où, quelque part, dans le milieu du jeu. Une fois que ces cartes sont perdues, le jeu est mélangé. Hop. Et en plus que c'est mélangé, on va se payer le luxe de mélanger les cartes bien plus et vraiment beaucoup plus en faisant le mélange, ce qu'on appelle le plus parfait au monde. C'est-à-dire quand on imbrique les cartes, une par une. Avec tout ça, les cartes sont réellement perdues. Alors, et je vous le prouve, on ne sait jamais, mais je ne sais pas. Peut-être que les as sont sur le dessus. Non. Il ne fallait pas me le dire. Peut-être qu'ils sont vers le dessous. Non. Ils sont peut-être sûrement quelque part dans le milieu du jeu. Je te dis rien. Ok. Mais ça aurait pu être dessus, ça aurait pu être dessous. Il pourrait en avoir un, deux. Mais là, avec tous ces mélanges, donc c'est très convaincant pour le spectateur que les cartes sont effectivement bien perdues. Aucune brisure n'est prise dans le jeu de cartes. Et pourtant, en tant que... Alors bien sûr, là je vous le dis en tant que magicien, mais on explique aux gens qu'on est capable donc de retrouver n'importe quelle carte, là y compris les as, puisqu'on va faire le tour avec les as, rien qu'au toucher. Et c'est très simple, c'est juste avec la pulpe du pouce. En fait, si je viens et que je coupe mon jeu comme ça, je peux tomber sur un as. Alors bien sûr, là, je ne suis pas tombé dessus parce que je ne me suis pas concentré. Mais si je me concentre un petit peu, vous allez voir. Hop, juste ça. Voilà. Et que là, je regarde où sont les as. Ça y est, j'en ai capté un. Il est juste ici. Et ce qui est fou, c'est qu'à une carte de plus ou une carte de moins, ça ne fonctionnait pas. Alors, on pourrait le refaire avec un deuxième as parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un coup de chance. Attention. Ah ah. 19. Et une de plus et une de moins, ça ne fonctionnait pas. On va le faire avec le troisième as. Yes, je pense que il est là. Ah, haha. Carte, tu te trompais, je lui ai dit que c'était assez compliqué. Ouais, je pense qu'il est plutôt ici. Et une de plus et une de moins, ça ne fonctionnait pas. Pour le dernier, on va faire plus compliqué. Là, je l'ai fait au toucher. Là, c'est l'autre, il était en 19e. Un d'avant, je dirais que celui-ci est en 20e position. Parce que je sais, tout à l'heure, quand je vous ai dit 19 comme ça et que j'ai coupé, j'aurais pu dire n'importe quoi. Et vous ne m'avez pas cru. Du coup, moi, je pense que celui-ci est en 20e. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va aller plus loin. Eh, je pense que c'est effectivement la 20e. Bizarre. Voilà donc une petite retrouvaille d'As, qui est aussi un très très vieux tour, que j'aime particulièrement bien faire parce que je trouve que c'est extrêmement bluffant sur les spectateurs.
Parce que, bah, bien évidemment, il y a du trucage en tout ça, mais il y a aussi de la technique. Et je trouve que c'est une belle petite routine, bien sûr pas en close-up, mais plutôt au comptoir, à la maison, qui montre vraiment que vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc quand vous faites une routine comme ça, aussi bluffante, vous passez pour un bon magicien. Donc pour l'honneur, c'est bien. Voilà. Allez, à bientôt.